Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers enfants, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène et la propreté. Et je vais vous montrer quelques habitudes qu'on doit faire plusieurs fois par jour. La première habitude, les enfants, c'est se laver les mains. Mais pourquoi nous nous lavons les mains, les enfants? Regardez cette image. Comment sont les mains? Oui, très bien. Les mains sont sales. Et pourquoi, à votre avis? Oui, très bien, parce que pendant la journée, on peut toucher plusieurs surfaces, d'accord? Donc, les enfants, vous devez vous laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Et vous devez aussi accorder une grande importance à cette habitude, ainsi qu'aux d'autres habitudes comme se brosser les dents. Alors, savez-vous, mes chers, pourquoi brossons-nous les dents? Oui, tout simplement parce que le brossage des dents permet d'éliminer les plaques dentaires responsables du carie. Et aussi, il faut les brosser au moins 2 fois par jour pendant 3 minutes, après le petit déjeuner et avant de se coucher. Et il peut être éventuellement complété avec un bain de douche pour garder notre corps propre. Et il faut aussi couper les ongles régulièrement parce que les ongles longs peuvent être un nid à bactéries. Alors, il faut les couper. Enfin, mes chers enfants, une bonne hygiène personnelle est la première étape d'une bonne santé. Les habitudes telles que se laver les mains et le brossage de dents aideront à éloigner les bactéries, les virus et les diverses maladies. Au revoir les enfants et n'oubliez pas de prendre soin de votre corps.